رمضان رمضان Welcome home رمضان أهلا رمضان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أتباعه إلى يوم الدين وبعد. Qui dit jeûne parle de la nourriture. On mange pour faire le jeûne. On mange pour rompre le jeûne. Qui parle du mois du jeûne parle de la nourriture. Et cette nourriture, problème de nourriture est basé sur les femmes. Qui te donne la rupture dans le mois de Ramadan? Il a le mérite de ton jeûne. La bienfaisance est recommandée dans le mois de Ramadan. Et la grande partie de la bienfaisance revient à nos mamans. Ce sont eux qui vont au marché pour faire la cuisine, qui s'occupent des enfants, qui préparent afin que l'homme mange le sahour pour faire le jeûne, qui préparent afin qu'on arrive à rompre le jeûne, qui préparent afin qu'après avoir fait le taraoui, on puisse manger, qui viennent travailler encore. Elle finit de travailler, elle se couche un peu, elle se réveille encore avant les hommes. Les efforts du mois de Ramadan reviennent à nos mamans. Elles travaillent plus, elles font plus d'efforts. Mais le problème est que avant la fin du mois de Ramadan, elles annulent tout ce qu'elles ont fait. Elles se retournent pour détruire ce qu'elles ont bâti, pour défaire ce qu'elles ont tissé. Pourquoi? Parce que l'impatience, c'est ce qui donne ça. Il y a beaucoup de nos mamans qui n'endurent pas. Elles n'ont pas la patience. Elles n'endurent pas. Quand on sème, on doit attendre pour pouvoir récolter. Quand on plante un arbre, on doit attendre pour pouvoir cueillir ses fruits. Donc, il faut patienter, il faut accepter, il faut endurer. Tout ce que tu fais, c'est à cause d'Allah. Ce n'est pas à cause de ton mari qui t'énerve, qui ne te plaît pas. Le foyer est un lieu d'adoration pour la femme. Elle doit chercher Allah dans son foyer. Toute personne qui va manger sa nourriture, elle aura ce qu'elle a leur mérite. Pourquoi pas endurer, pourquoi pas accepter, pourquoi pas pardonner, afin que tu puisses cueillir les fruits de ton arbre que tu as planté depuis le début du mois de Ramadan. Donc, pardonne, accepte, endure, Allah va te récompenser. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحلى القوافي والنشيد